will go to the live in a Dofus game for Ankama. Yeah, you know what I mean. Yeah. Fait. Allo. Oh yeah, war. Oh god. Oh hell, god. Entre Dofus et Wakfu, même MPC besoin. Putain, mais mec, ton message automatique. Ta mère a... Oui. Pardon, j'aime beaucoup ta maman. Yes, il est là. Si bon. Yeah. Alors, si je tape américain sur GIF, ça me met quoi? Ah. Wow, il va se calmer. Bah, dis donc. Tu peux être vachement fort, quoi. Impressionnant. Ouais. Merde, j'ai pas fait. Attends, c'est pas le bon jeu ni rien. Je crois que j'ai pas mis le bon titre et tout. Ah non, t'es toujours sur The Room 2. Je suis pas sur The Room 2, les potes. Attendez. The Room 2. Dofus. Du coup, Hagrid. Adrien prend plus le contrôle. L'aventure. De 0, je crois que c'est le 16. Oui, je crois que c'est le 16ème épisode. Ah, il y a des gens sur le live. Enfin, il y a sûrement Seb et Seb, mais ça fait beaucoup de gens. Non, Seb et sa vidéo. Incroyable. J'avais mon aperçu vidéo d'ailleurs. Tac, c'est bon. C'est bon, tout est ready. We are ready to the game. Allez. On va à l'endroit des Vulcains. Port de Madrestam. Dans le port de Madrestam, il y a des marins qui dansent. Et da. À la base, je voulais faire un stream avec la cam et tout. Je m'installe à mon bureau, je me dis bon ça va, je venais faire du ménage et tout. Bon, j'ai un peu chaud, j'étais en mode bon ça va. Je commence à m'installer à mon bureau. Ça va chaud, je me dis bon c'est pas grave, tu vois, genre j'ai su un peu la sueur sur mon front, j'ai mis une serviette et tout machin. C'est bon. Je mets mon casque, je dis ça va aller. Je commence sur ça, j'allume la cam et tout, et là je commence à sentir la sueur que le rose goût en mode ok j'enlève mon t-shirt, pas de cam. Allez. Ah, j'ose même pas mettre dans le dossier de mon siège, j'ai trop peur de la salive. Ouais, du coup on doit aller dans la grotte des croquis novices. Donc faut me suivre, c'est vers le haut. C'est du -51-40. Ah non. Non, ça c'est le donjon. Non, c'est à gauche. C'est à gauche les croquis novices. Ah, je sais pas, en fait je suis en forme là. Je sais pas ce que j'ai, genre je vais prendre un bon café. T'as des tirs de capture sur toi, Seb? Oui, toujours. Que conseil d'amis, si jamais tu croises des archimonstres, capture-les direct. Genre instant. Oui. C'est les archimonstres de Vulcania, je crois que c'est l'archimonstre le plus rentable du jeu. C'est immonde. Alors, est-ce qu'on on a des cruches jamais ici? Y a pas de cruches. Je commence à chercher les cruches du coup, hein. Je suis dans le cratère Mopile. Cratère Mopile, ça veut dire quoi, Mopile? Et je cherche les cruches, hein. Disons, il y a déjà des mecs qui farment, donc je pense qu'on va juste se prendre une map et on va full farm. Hein. Pas besoin d'idoles, je pense que c'est mieux qu'on se remette pas à avoir des idoles à faire des combats galères. Ou alors des idoles de base, genre des idoles PM, tu vois, enfin. Pas d'idoles de dommage, de machin, un truc un peu casse-couille. Bah après, je sais pas, ça vaut le coup au niveau XP ou pas. Bah même sans idoles, j'XP, mec. Donc, enfin. Ouais, du coup, je vais peut-être voir pour jouer. Je vais faire la compo, tiens. La compo, même. Ouais, je suis chaud pour une bonne compo idole là. Ouais. Bon bah je me suis mis sur cette map là parce que j'ai décidé. Voilà. Voilà. Groupe. Alors, les dommages de distance ta mère. Les dommages ta mère. Ta mère. Dynamo c'est bien. Non. Alors, Arumb. Mets le filtre en solo. Parce qu'il y en a qui vont pas passer en fait. Et voilà. Les dommages augmentent. Les dommages au contact augmentent de 400%. Alors par contre, les dommages des adversaires augmentent de 10% par tour de jeu. Ça en vrai, c'est ouais, rare. On aura rarement l'occasion de les dépasser. Les dynamos, oui, ça se passe tout seul. Bah, on peut mettre toutes les dynamos.
Ah mais... Pourquoi il m'a retiré des dynamos lui? Mec j'ai mis les 4 dynamos. Là, je casse chaque attaque sur un monstre attire en ligne. Non, Rissingana non. Non. Non, 100% non. Non, non. Ok, bon on sera 5 idoles, score 147. C'est pas mal. En soi. Ouais, c'est pas mal. On est déjà à 300% d'XP en plus. Oui, c'est ça, on est pas dégueu. Et vas-y, on commence par les petits groupes hein, et on farm. Et le but, c'est en gros, c'est de faire spawn les croquis crus et les tuer. Et puis ça va, c'est une map pas trop chiante pour nous parce qu'on a de. On traverse les murs. Attends, je vérifie juste que ça m'a mis les bons items. Non, ça m'a changé, oui, ça me change. Ça me met trop fait retrait PM, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de me trop fait retrait PM à thème, tu vois. Enfin, genre, c'est bien, tu vois, des trop fait retrait PM, mais pas là, enfin là, ça me sert à rien. Clairement, ça me sert à que dalle. Je vérifie que je suis bien sur Dofus officiellement. 490 followers, 7 subs. Putain, c'est beau. T'as attaqué quelqu'un? Ouais, le noir. La noire? Ok, bah je me fais la rouge. Voilà, c'est vite normalement. Alors, en plus, normalement, j'ai. Voilà, c'est ça. Salut Léa. Salut Léa, on est en live. Ça va Léa? Mais donc, je disais, normalement, en plus, là, j'ai refait mes barres de sorts et tout. Et du coup, en fait, tous mes sorts importants, je les ai sur ma première ligne. Et après, tout le reste, genre, j'ai une barre un peu bordélique en bas. Et j'ai une deuxième interface que j'ai ouverte sur le côté de mon écran. Avec les sorts triés par élément et tout. Du coup, j'ai pas besoin de chercher mes sorts en fait. C'est assez facile de les avoir. Ouais. Eh. En fait, des petits dégâts quand même. Hein. T'imagines que je suis pas stuff là. Hein. Genre, je suis stuff level 60 là, hein, mec. Hein. Par contre, il me saoule. Ah. Oui. Ouais, tacle le, laisse le là et moi je finis l'autre, comme ça t'es tranquille. Je vais venir te boost, je vais te mettre des crits et tout. Ça va être bien. Allez, toi, bah. Il se soigne tout le temps lui. Ah, c'est un état sur. Oui, c'est son état et en fait, lui, je sais pas pourquoi le neutre, mais il a l'état sur R. Enfin, je comprends pas trop. Oui, parce que j'ai tué la rouge, c'est la rouge qui le met cet état. Ouais. Ok, bah tu vois, niveau XP on est pas mal. Juste bon, là, pas eu drop, bon, c'est de la chatte ou pas. Hein. Hop, y'a pas de cru, donc on enchaîne les combats. Hein. Niveau XP, moi je suis bien là. Hein. Ouais, ça va. 300 000 par combat, ça peut être. Juste être chiant pour les sèches, quoi, mais. Pardon, ça m'a joué. Oh, sorry. Sorry, bro. I'm so sorry. I'm so sorry, même. Je te fais don de la sèche. Ça se négocie. Seb, retiens 64 pour moi, s'il te plaît. Ouais. Hop, c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Hop, ça a joué moi. C'est vrai que la barre de force sur le côté, je m'en sers jamais, ça peut être pas mal utile. En fait, c'est surtout que j'en ai pas besoin dans la plupart des combats. Mais dès que c'est j'ai raté le challenge, hein, fait chier. Mais dès que c'est un combat un peu compliqué où tu sais que tu dois taper dans un autre élément, en fait, je sais que j'ai tous mes sorts autres que mon élément principal sur la gauche. Ouais. Ça ou tes invoques ou tes machins, tu sais. Genre, je sais que là, en gros, que les sorts dont j'ai besoin en général, j'ai ma barre en bas. Et quand je veux un sort qui est d'un autre élément que mon élément principal, bah il est à gauche. Même s'il est également en bas, tu vois. Là, par exemple, je tapais terre, hop, j'ai mis tous mes sorts terre là. Là, je sais que j'ai 2 PA normalement, bah non, je les ai pas. Ok, j'ai perdu des PA. Waouh, pas de pulsar. Zéro dégâts. Tu vas voir mec. J'ai fait un truc, t'es pas prêt, regarde. Regarde-moi ce talent.
Ombré! 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 T'as vu? Énorme, hein. Lourd Pas dégât, mal, genre. pas mal. Ombré, ombré! You know what I mean? Yeah, man. Et genre avec tes bombes full chargées dans les autres éléments, tu fais un peu de dégâts ou genre c'est ridicule? C'est quand même pas mal ridicule, hein. Faut dire ce qui Bah est. tu fais même pas de 100 de dégâts avec les bombes full chargées, genre? Si quand même, mais je pense pas monter très haut non plus. Je dois être dans les, je sais pas, peut-être 400, 500. Faudrait que je teste. Ah, j'ai quand même hâte de level 100 et de taper dans les autres éléments, quoi. Parce que là, punaise, mec. La dèche un peu, hein. Par contre, le quasi full crit alors que j'ai zéro crit, ça j'adore. J'ai juste. Bah, t'es full agi donc tu mets un crit sur deux, quoi. Sais pas si l'AJ joue toujours dans les Je crits. pense, mec, vu le nombre de crits que je fais, je pense. Très clairement, hein. Ça m'arrive de faire que 3 tours de suite full crit. Sèche, on a toujours pas de cru. En fait, comme il y a des mecs qui tournent, je préfère farmer, tu vois, et finir par tomber sur les crus au hasard que d'essayer d'avoir des crus. Parce qu'en tous les cas, il y a déjà des mecs qui tournent et qui farment pas les combats et qui attendent de choper les crus, donc on farme quoi. Oh putain, bon vas-y, on va la finir, ce sera fait. Oh non, mec, fuck off le tchal, mec. Chiant. Ah, quoique. Ah! Et tu J'avais m'avais pas caché pensé à mon ça. cac. Ouais, pas mal. Ah, pas mal. Même des crits. Attends, j'arrive. Parce qu'en plus en crit, je monte large. Ah oui, dommage crit sur ce genre de truc, c'est énorme, hein. C'est des dommages purs en fait. Et si elle a pas de résistance crit, bah non, elle a zéro résistance crit. Ombré. C'est bon, j'aime bien tous les crits. Donc on a PM, approche encore. Non! Ah merde. Oui. Faut voir un ami, un frère. Voilà, choqué, déçu. Torturé à vie. Allez, dégage. Tu as 44% de crit sur l'arme. Voyons si cela est suffisant. Par contre, je l'ai soigné, je crois, avec mon chargeur cul. Ouais. Et tu vois, quelqu'un me déconne. Hop! Alors, par contre, celle qui me retire des PA, je vais l'enculer un peu à sec, mais. NP1. Hein. Ah, c'est l'eau, je crois, qui retire des PA. Ouais. Mais c'est quoi ces dégâts qu'on se prend là? Il y a sûrement un poison ou quoi. Ouais, là c'est la neutre, Voilà. elle met des poisons. En fait, en gros, dans Dofus, neutre, poison, feu, dégâts, air, bah tacle, je sais pas, poison aussi, j'en sais rien. Eau, red PA et. Ah non, air c'est red PM. Eau, red PA. C'est quoi que ça dépend? En fait, non, ça dépend. Non, bah non, ça dépend. Alors, il n'y a aucune logique. Bon, bah c'est illogique. Voilà, nice, on est heureux. Bon allez là, ça finit là. Montre-nous tes hormones là. Sors ta bite, pose tes Je couilles sur l'aurais la table. pas. Ah bah non. Bon bah j'ai cru, hein, j'ai cru en toi, Seb. Moi pas. Bah si, regarde là, c'est bon. Là je le finis. Nickel. Voilà! Bon, on peut les nexter maintenant. Par contre, je suis mort. T'aimais beaucoup Seb, mais c'est la mort qui m'a assassiné Marcia, quoi. Ne bouge pas.
Ça va, Seb, je vais le faire. Je crois en toi, je crois en le pouvoir des cartes. On va tout démonter. Par contre, il me fait cher tirer des PA, lui. Oui, il est trop casse-couille. Ah merde, je me suis déplu. T'es fort, Seb. Vraiment très fort. Je sais, je sais. Je suis fan aussi. Allez, tu te mets en ligne. Voilà. Waouh. I'm impressive. That skill. J'en pas de carru. Non, bon, allez, on voit quand même tourner sur la map, on voit comme essayer d'en choper, mais le problème, je dis, c'est qu'ils sont déjà formés par tout le monde. Après, les gens savent pas farmer, donc ça peut être un avantage pour nous. Mais ce qui me fait rire, c'est les mecs qui attendent sur une map où il y a les trois groupes qui sont là et qui attendent que quelqu'un vienne dépop les groupes pour essayer de choper une crue, tu vois. Alors, les mecs, c'est tellement des assistés de la vie. Tellement des assistés de la vie, mais c'est chaud. Et comme il y a un mec qui est en les mines, il est en mode ouais, moi j'ai mis des timers, machin, bisule. Bah, moi je me déplaçais, je lui piquais tous ces trucs, il est en mode putain, mais tu me bousilles mes timers. J'ai mec, t'es pas capable de miner sans avoir de timer, j'y peux rien. Voilà. Oh. Mais c'est ça le truc, le gagnant vient juste de sortir du coup de tout le monde farm, et puis ben voilà. Bon bah, du coup, un groupe, ben là, viens descendre. Attends, je te vois pas, je peux ôter. Viens à droite. Enfin, un groupe de deux. Non, à la limite, on ferme les groupes de deux. Ouais. Ça va vite, bon là, il y a une sèche, mais c'est pas la vite. Putain. Ah non, c'est bon, c'est vite, vas-y, vas-y, go full cac. Ok. Pardon Seb, je suis désolé, vraiment je suis désolé, je voulais pas t'offenser. Ne t'énerve pas. T'es mon meilleur bro depuis le... plein d'années. Ouais, des moments ça passe. Ouais, moi aussi des moments ça passe les... Ah bah non. Voilà. Allô. Mais c'est déjà full régen. Mec, tu la tapes R avec ta H. Oui. Tape juste pas R. Tape avec un truc qui tape pas R. C'est tout. Voilà. T'inquiète. Je vais faire le taf. Mais le truc, ça le fait même pas tout le temps, du coup, je sais pas quand. Enfin, c'est quand là l'état, quoi. Ouais, contre. Voilà, là t'auras juste à la taper. Ouais. T'auras juste à la taper dans n'importe quel élément. Et pas R. Et c'est fini. Genre un petit tromblion, ce que tu veux. Et on en parle plus. Ou une extraction, parfait. Eh hey, vas-y, maintenant tu peux taper la novice, elle tu vas taper R. Par contre, si tu me tapes moi, je te... fais des choses. T'inquiète. Ouais, si, justement. Justement, je m'inquiète. Ah bah, merde. Je la voyais avec plus de vie, genre j'étais en mode, bon allez, on continue le combat. Bah attends, y'a un groupe de 3, mais sans sèche, ça va aller vite. Vas-y, go. Hop, on accélère. Vite, on a déjà fini notre tour, Seb. Peut-être. Il a sur une chance aussi un petit peu, non? Aucune. La pitié, c'est pour les faibles. Et pour les femmes. Ah oui. Oui, non, mais enfin voilà, il arrive un moment. Hein. Pour réfléchir, ça va plus non plus. À réfléchir, c'est vraiment difficile en fait. Je pense que c'est vraiment pas un truc adapté à tout le monde. Je pense qu'il faut des facultés particulières pour savoir réfléchir. Ah merde, c'est chiant toi. Oui, fini le combat.
Bien, c'est bon. Ok, alors, faire des clés sur les mobs déjà finis. On s'est pas fait style. Donc là, on peut attendre. Il va y avoir deux repop. Et on s'est pas encore fait style. On attend les deux repop. Là, c'est FK. FK farm. Plus, ça a vraiment vite cette merde, quoi. Parce que, ok, une humide simple. Vas-y, on la torche. Vite, vite, vite. On la one trick pony. Hop, go. Hush. Il y a toujours pas eu de combat, c'est bon. Nice. Par contre là, le sombre dada, la fils d'Incarnam, il va aller faire son fils de truc ailleurs. Hein. Notre zone là, mec. Mec, c'est au taquet, genre je spam Z. Nickel groupe qui pop, c'est fini. C'est juste pour ça dire que j'ai fait le chauffeur pour battre les croquis machin là. Ah oui, il est cru. Oui. J'étais emmerdé avec mon chevalier, mec. Tu sais que j'ai dû en tuer une fois sur un combat, j'ai en tué deux avec mes sorts. Ouais. Enfin, j'en faisais 250 par tour, ça m'a grave saoulé. Bah, si t'es avec le chevalier, tu sacrifiais le chevalier. Oui, mais il y en avait trois. Ah oui, ouais. Donc, j'ai sacrifié le chevalier sur une. En plus, j'étais con, c'est que j'ai d'abord sacrifié le chevalier avant de tuer les autres, alors j'aurais dû faire l'inverse. Je vais sacrifier le chevalier, enfin tuer deux premières et après sacrifier le chevalier. En tout cas, je suis content, je sais que là, enfin. Normalement, je suis bientôt. Alors, j'ai 2 200 000. Il n'y a pas de. Regarde-moi ce truc balle. Mais regarde-le là, ce débile là! C'est un moyen gentil de dire va te faire enculer. Tant bien parce que moi pas. Non, si on ouvre du coup. Si là, il propose de laisser ouvert. Okay. J'aime pas les profiteurs. Non, mais dans ce cas je comprends. Après, tu vois, s'il laisse ouvert, je comprends. Tu vois, c'est le mec qui a proposé. Moi je l'ai agressé limite. Le mec il dit, moi je laisse ouvert. Je suis en mode, ok. Je peux comprendre que le mec il ait des problèmes. Enfin, moi aussi je galère donc. Et justement, toi tu galères, tu formes ta map. Lui il galère, il attend. Ouais. Et je suis gentil, moi. Bon prince. Si je voulais vraiment être fort, j'aurais juste fait 3 comptes, j'aurais déjà farm tous les donjons. D'ailleurs, t'as vu l'Helio 58 qui a fait le compte à rebours du succès 300? Ouais, mais je sais pas si c'est. Ah, pour moi c'est legit. Hein. Avec un Helio, tu peux, il doit y avoir les mobs qui sont un peu buggés parce qu'ils sont débiles. Et full legit. Hein. 2h20 de combat, je pense pas que le mec il est exploit bug pour 2h20 de combat. Hein. Ouais, peut-être bien. À ce moment-là, faut vraiment bien connaître le. Bah, tu connais les réactions du mob par cœur, tu places tes portées en fonction. Et tu te déplaces. L'avantage de l'Helio en fait, c'est que si tu joues bien tes portails, tu peux te déplacer sur la map tout le temps. Tu mets tes portails avec quelqu'un de la map, et tu tapes partout tout le temps, quoi. Allez, bordel. C'est quoi en vrai? Non, je vais t'inviter, Seb. En vrai,
On va gagner du temps. Oh merde, y a pas de cru. Chien. Bon bah allez, tu sais quoi, on va faire le tour avec lui. On va attendre qu'il lance un combat et on va le rejoindre. Mec, on a tout à y gagner. En soi. Ah. En moins 54-37, y a un groupe qui est en train de spawn là. Je peux pas rester sur place, moi. Genre, j'ai un. Je sais pas. Je m'ennuie en fait si je reste sur place. Ils l'ont. Tu sais que c'est pas facile de faire ça parce qu'en gros, je suis toujours en avance sur mon déplacement. Donc en fait, si je vais plus vite que ma monture, je risque de faire demi-tour. Faut que j'aille à une vitesse constante en fait. Tu vois, si je clique là, quoi? Hop, je suis niqué. Bon allez, plus on est fou, plus on rit. Voilà, tu vois, pas la chose correctement. Allez. On vient de faire gagner 10 minutes à tout le monde là. Pourquoi tu tapes la crue, on s'en fout mec, on va envoyer une invoque. Je peux rien taper d'autre que ça pour le moment. En vrai même, on envoie quelqu'un sacrifié, genre ouais, t'envoies le diop au cac. On s'en bat les couilles, il meurt, pas grave. Il joue bien le mec. Parce que je sais pas si t'as vu, il a fait gaffe à se placer pile en ligne avec toi pour être sûr de te toucher à l'épée divine. Et il a touché la bombe à l'épée divine aussi. Alors je sais pas si ça touche la. Si ça augmente le dommage à la bombe. Le mec, il une question que j'ai toujours posée ça. Bah c'est. En tout cas c'est écrit sur le dans le chat que ça augmente le dommage à la bombe. Ah oui. Je pense que le mec est loin d'être mauvais là. Rien qu'à voir ça, je me dis que le mec c'est pas un débile. Non j'ai pas la PO, fais chier. J'ai mal calculé mon con. Bon du coup s'il veut faire le challenge. Autant défoncer le la crue. Non, en vrai, non, mec, enfin, on s'en fout. On s'en fout du shell parce qu'on drop dans tous les cas, donc. Pas les steaks, gros. T'inquiète. À combien de PL explose la croquille? Une idée. Il me semblait que c'était 7 ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. On va voir. C'est 2 PA par tour. Elle a 4 PA. On va bien voir. Allez, go, patient. Allez, passe, mec. Mec, fais pas chier ou je te jarte. Mais pourquoi tu fais ça? 10. Mais. Nickel, Google. Bête. Non. C'était toujours un 12 alors, je sais plus. Si, c'est ça, on va le taper, on sait jamais que tu le finis. Oh, mais il est rigolo. Oh, putain.
Il explose avec tes bombes, toi? Comment? Avec tes bombes, il explose ou pas? Je sais pas. Quel mec a quitté le groupe du coup, il a peut-être fini. Et bien maintenant. Ah ok, donc le mec qui a rejoint, il avait même pas, il a besoin que des langues. Oh, bon, vas-y, je le jarte alors. Bah ouais, qu'est-ce qu'il a cassé les couilles, il a besoin que de langues. Top pour nous faire chier à jouer lentement là. Bon, vas-y, en gros, cherche des crues. Bah, attends, là, tu veux... Léa, tu veux venir faire des crues? Ah, il y en avait un? Non, mais c'est un petit truc à la con. On fait les crues de mon level à moi là. C'est les éclats de coquilles. Bah si tu l'as cette quête. Si elle l'a mais c'est pas... Oui mais je sais pas du coup si elle la connaît. Enfin c'est surtout ça la question. Hello. Allô. Bonjour, nous sommes en live sur Dofus. Hein. Le jeu de Dofus. Hein. Bonjour le live avec les 1 viewer, meilleur live. Dis-moi. Moi je viens de rentrer en ayant pris un TER incroyable. Ah oui, ça fait aussi. Le niveau d'incroyabilité il était comment? Bah disons qu'on devait partir à 19 de la gare. Qu'à 15 il y a une bande de potes un peu ivres qui montent dans le train. Il y en a un apparemment qui s'est embrouillé avec les autres et qui veut rentrer chez lui. Ils ont pas de ticket, alors les potes du gars qui veut rentrer chez lui parce qu'ils sont embrouillés lui disent de descendre parce qu'il n'y a pas de ticket, que s'il descend pas, ils vont tirer la sonnette d'alarme et que le train partira pas. Le pote ne veut pas descendre, du coup ils ont tiré la sonnette d'alarme, du coup le contrôleur est venu, il a appelé la sécurité ferroviaire, enfin l'enfer quoi. Salut les bros, c'est LRB, on va en direction des Nains Beaumont pour une petite game de rivière. Ah mais du coup les ça. Mecs ils ont balancé leur pote juste parce qu'il avait pas de ticket quoi. En fait du coup ils ont tous pris une amende en fait. Les trois qui ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme alors que s'il y avait aucune raison pour. Et parce qu'ils sont en état d'ébriété dans un lieu public. En état d'ébriété manifeste. Du coup eux ils ont pris une amende par la sécurité ferroviaire et le gars a pris une amende parce qu'il avait pas de ticket. C'est triste l'alcool quand même. Bah ouais c'est triste d'être beurré au point de tirer la sonnette d'alarme d'un TER à 17h quoi. Parce que du coup que font-ils de leur vie quoi? Si à 17h ils sont déjà dans cet état, j'ai pas envie de voir à 23h quoi. Oui. Je suis en train de m'imaginer l'état des mecs en soirée. On fait un barbecue, ça tourne mal l'explication. Un peu ça. Inviter un barbecue, cet homme ne rentre pas chez lui à l'heure prévue. Explication. Inviter un barbecue, il voit la bouffe habillée, il se pose des questions. Ah non, merde, c'est pas le même sujet. Vite. Que 11 éclats de novice, de croquis. Incroyable, Seb. Ouais, t'as tout compris. Voilà. Oh, facile ce jeu. Facile jeu. Facile jeu, facile jeu. Je me suis fait dépasser par Zildgomar quand même. Invité d'un homme. Bon, du coup, l'Alaska elle est sur TS là, elle est là? Bah oui. Elle parle oui, elle est là. Ok. Ouais, vas-y, ah non, mets pas ton micro. En fait, je sais pas comment il est, donc je sais pas si je te demande de le mettre en live. Quoique, il y a qu'un seul viewer, donc du coup. La chasse aux coquillages. Ah oui, c'est pas mal ça. T'as pensé à aller sur la plage tout en haut de l'île? T'as des coquillages aussi, il y a moins de monde. Ouais, enfin, ça dépend. Moi, la dernière fois, il y avait plus de monde en haut qu'en bas. Pas eu de chance. Tout le monde se met à dire en même temps, tiens, moi non, en haut. Voilà. Bon, les objectifs d'Ofus. On fait passer les à niveau 105. Enfin, on finit ma quête. On fait passer niveau 100. Moi aussi, il faut que je... Et moi aussi, il faut que je passe niveau 105. Moi, je passe 120. Et il faut finir les croquis de ce sang parce qu'il m'en manque. Je crois qu'il manque du sérum. Moi, c'est des éclats de machin qui manquent.
Les sérums, je peux pas lancer la quête, mais je me demande si c'est pas la suite de la, c'est la quête du cosmos, les sérums. Je sais pas. Si, je crois que les sérums, c'est la quête du cosmos. Et en fait, j'ai pas commencé les quêtes d'Astrumir. Donc, j'ai pas lancé la quête du cosmos. Pas la faire. Ah. Et du coup, je fais les autres. Pourquoi Jeff, il a un point de couleur différent que les autres? Jeff, c'est un truc à mine, je crois, ou un truc comme ça. Regarde. Hop! Magie. Rouge, joli. Oh, vous êtes jeune. Génie. Pourquoi t'es jeune? Parce que je suis administrateur et toi tu ne l'es pas. Donc je peux changer mon état et toi tu ne peux pas. Voilà. Uh-huh. C'est le pouvoir réservé aux hommes qui ont du pouvoir. Ok. Je me demande si mon DS buggé ou bien si c'était juste vous qui avez fait ça, mais ok. Oui, non, c'est hier Yamalo qui est venu, il s'est mis en jaune parce qu'il avait envie d'être différent des autres. Et du coup, on s'est tous. Jeff et moi, on s'est mis en jaune parce qu'on voulait imiter Malo. Et le faire chier surtout. Parce qu'on est des vraiment bons potes. Ok. À la limite, pendant que nous on farm mes croquis, tu peux peut-être aider Léa à finir aussi ses. Enfin, commencer à faire vos suites de quêtes avec Léa. Comme ça, dès qu'on a fini nos croquis, on vous rejoint. Je crois que vous aurez peut-être fini. Non, mais en fait, je crois que j'ai pas fini mes croquis. Il y a 2 croquis à combien, go, go, go. C'est 30 le pour les. Le sérum, il en faut 40, je crois. Les et sommes, puis je sais pas. C'est 30. Ouais. Les langues, c'est 30. C'est comme ça. Et les autres, je sais pas. Sérum, il en faut 40. Ah ouais, mais j'en ai que. Ah donc, oui, 2 croquis. Ouais, c'est bien ça. Mais on se met bien, dis donc. Moi, ouais. J'ai pas fait les croquis. Il m'en fera encore. Après ce combat-là, il m'en fera encore 9. Les langues matures, tout ça. Ouais, mais elle a peut-être pas fait les éclats. C'est peut-être ça dont on n'a pas là. Ouais, les crues. Ah. Ça, c'est chiant. C'est chiant parce que dans les grottes, bah, on a ce monde. Et je pense que ça, je le ferai plus vers la fin de la saison de Vulcania. Parce que ça va me saouler en fait. Oh mec, regarde. Je vais pouvoir faire ce sort magnifique. Oh oui. Le meilleur sort de Décra, genre. Il est trop beau ce sort. En fait, c'est pas possible. Le problème, c'est que tu vois, j'ai joué à J en disant c'est bon, je change, je joue à J. Et dès que t'es revenu au 90, t'as qu'une seule envie, c'est de taper des exploits en tous les sens. Genre, j'ai envie de finir full feu, mais mec, t'imagines même pas. Mais en vrai, je pense que je garde mes stats en agi parce que le fait d'avoir de l'esquive et tout et des critiques, c'est vachement important pour un cra. Et du coup, avoir un stuff multi-élément, mais full agi, ça a son utilité, je pense. Qu'est-ce que t'en dis? Bah pour moi, Kra, c'est comme les FK, comme beaucoup de classes, c'est fait pour du multi-élément. Oui, mais après, mais tes stats, tu peux le jouer multi-élément et avoir des stats réparties quand même différemment. Ouais. Après, ouais. Bah t'as combien en agi, là? Je suis à 250 d'agi. Sans stuff. Et en gros, mon stuff de base, mon stuff final, j'aurais environ 450 dans chaque stat, je crois, ou un truc comme ça, sans par chaud. Donc du coup avec par chaud je suis à 550 dans chaque stat en comptant la puissance et tout. Plus mes 300 d'agi que j'aurais. En gros je serais à 850 d'agi et 550 dans tous les autres stats en comptant la puissance. Au level 105. Pas mal, pas mal. Ah bon après là je te compte un full par chaud que j'ai pas encore. Mais je suis encore un peu loin. Quoique j'ai bien avancé quand même mec, je suis déjà à 2 plus 24, 1 plus 21 et 2 plus, et 1 plus 11. Ah. Ça aurait pu être pire. Mais vraiment meilleur sort quoi. Hop, je vais tuer la rouge à l'échéance. Excel à la con. Si tu peux la finir, perfect. Putain, j'ai connu par cœur ces musiques, c'est énervant à la fin. Musique? Quelle musique? C'est la musique de Dofus en fait. Pas, en fait. Oui, mais je l'ai mis sur mes lives parce que en fait ça met un fond sonore donc c'est très bien pour un live. Et c'est un fond sonore qui appartient au jeu donc enfin. Genre t'as un plus dans l'univers de jeu avec la musique, je trouve. Alors moi, personnellement, je trouve qu'un live avec des musiques, un live Dofus avec des musiques extérieures, je trouve ça nul à chier, clairement. À moins que ce soit un live full PVP colis, ou encore c'est tolérable parce que t'es pas là pour du PM. Et pour du PVM, tu mets la musique du jeu, tu vois, enfin normal. Enfin, t'es là pour montrer le lore du jeu, donc mais là, tu mets la musique du jeu, enfin. Ça me semble une évidence absolue.
Ça va être bien chiant ça. Mon meilleur tour. Non, je peux laisser tous mes PM, je suis un FDP. Ah, j'ai une invoque si jamais. Hein. Ah bah j'ai des bombes. Ah, par contre c'est full shit mec, enfin je te dis j'ai dû galérer la première fois, genre j'ai dû le finir au cac et tout. Enfin pas finir au cac mais à l'attaque, c'est chiant. Oh là là, quel homme. Ouais du coup je peux mettre des coups de cac parce que normalement il soigne pas. Hop, je devrais le, on devrait le finir ce truc je pense, presque. Ouais ça le fait. Ah mais t'es trop loin. Okay, je me demandais pourquoi je pouvais pas te booster et puis bah en fait t'étais trop loin. Regarde. Bri. Bri. Et là le petit coup de cac et tu le finis. Incroyable. Et deux Exanovis, nice. Encore une. Une crue. Oh mais c'est chat mec. Prends la place. Attends, attends, par contre, oula! Je me disais que c'était bizarre. On est repassé sur tes. On a plus le même truc d'idole. De tout à l'heure. Pas de combat, ah, changer de groupe et tout. Oui. J'ai retiré ça après. Non, mais je vais le faire, c'est moi qui suis chef de groupe. Non, mais c'est parce que moi j'ai toujours mes idoles quand même en fait. Oui, du non, coup, mais même. Je peux les désactiver, je peux les virer pour le groupe en fait. Ah oui. Ouais. Et je remettrai nos, les, toutes les dynamos et comment elles s'appellent? Celle qui est pas trop dégueu, enfin qui est pas trop chiante. C'est oui c'est le Dagob. Dagob il est supportable en fait parce que le, l'effet, bon il y a certes c'est un. Oui ça fait des dégâts mais bon. Enfin sur mon coup. Si je peux finir l'humide maintenant, comme ça on a plus de perte de PA. Et après si on peut essayer de taper l'incandescente comme ça on a plus de heal. Et l'autre on se fait les autres. Si tu sais bourriner sur l'humide. Ouais, ouais, exactement comme ça, c'est ce que j'allais te dire. Ou comme ça. Hein. C'est une façon de faire. Moi j'essaie de taper l'autre con là-bas. T'as vu ça comment je fais mes tours vite? C'est beau! C'est beau ce talent! Quel talent chez un homme! Incroyable! Cet homme peut matsprider et se faire aimer quand même! Toi tu tapes plus fort. Allez. Ah mais il coûte rien, c'est mais quoi j'ai quelques niveaux en plus ça. Trop bien. Elle coiffe donc. Coiffe du Royal Moot. Oh oui non ça coûte rien. Tellement ouais, ça coûte que, rien et puis en soi elle rapporte. Et c'est bien, la coiffe du Royal Moot c'est une bonne coiffe hein. En soi, elle coûte que d'elle et elle est largement meilleure que ma coiffe actuelle. C'est pas la meilleure coiffe du jeu mais c'est, oui c'est une bonne. Enfin la panneau Royal Moot de manière générale. J'ai 9 niveaux de retard mais dans 9 niveaux Bah go farm. Go farm mec. Tu as un swap hein. Par contre attends, est-ce que j'ai des items d'une même panneau là-dedans? Si t'as pas été du même panneau en plus mec, t'as la même l'amulette Royal Moot si jamais. Si ah jamais oui. T'as un problème pour ton amulette. Non mais j'ai la torque ancestrale actuellement. Je te dis, enfin les panneaux Royal Moot t'as la ceinture qui est pas dégueu aussi. Mais je vais check, mais il faut peut-être que je vois la cape. Du Royal Moot, peut-être qu'elle est mieux que ma cape actuelle, parce que là j'ai une cape du chef work. Oui oui, prends la cape Royal Moot, vas-y. T'inquiète, fonce. Que la panneau chef work en fait c'est typiquement la panneau du pauvre. Alors tu sais quand tu sais pas quoi mettre comme item, qui te reste un slot, tu mets un item chef work, tu dis bon s'il y a, y a pire. Mm-hmm. Elle fait quoi la cape du Royal Moot du coup? Du coup ça me ferait deux items d'une panneau parce qu'actuellement mettre deux items de panneau c'est deux items de la panneau Abrachnid. Enfin, panneau ancestral. Je pense que la panneau Royal Moot a effectivement un meilleur truc de set de panneau. Et t'as quoi? Et c'est quoi que t'as comme item de panneau ancestral? La torque ancestrale et la bracasque. Ouais, bah effectivement, remplace ton ta coiffe par la Royal Moot et du coup prends éventuellement une cape ou autre chose de Royal Moot. Bah, je pense bien. La cape parce que oui. le deuxième item le plus faible chez moi c'est ma cape. Ah oui, fais ça. Bah, tu montes, tu prends les levels et tu prends cape coiffe Royal Moot, ça coûte que dalle. Vas-y c'est bon, fais le groupe de deux là, flemme d'attendre. J'ai changé les idoles.
Groupe 1. Ça existe au moins la cape du Royal Moot? Oui. Ah oui, cape moutante. Ah non, elle est moins bien que ma cape, hein. Je sais pas ce que t'appelles moins bien, mais ça m'étonnerait, mec, hein. Ah ben si, en fait, clairement. Pourquoi? Pourquoi elle est moins bien? Dis-moi. Attends, je compare là. Je suis en train de tout comparer. Y'a des stats qui n'ont pas. Enfin, qui sont plus intéressantes que d'autres. Bah en vita j'ai plus de vita sur ma cape du chef Warg, j'ai plus d'agi sur ma cape du chef Warg, j'ai plus de chance, j'ai plus de dommages, j'ai plus de résistance partout. Le seul truc que la moutante m'apporte et que l'autre m'apporte pas, c'est un de portée, ça ne sert à rien. Et de la sagesse c'est Mais elle est. Mais elle est exo ta chef Warg, non? Ça me semble étrange. Bah c'est celle qui me l'a donné, donc oui elle est exo. Ça me semble étrange que la Royal Moot soit moins intéressante. Elle a un petit peu plus de vita, oui. Ça me semble étrange que la Royal Moot soit moins intéressante que la... La chef Borg, genre. Vraiment. Après, c'est possible, hein, mais... Je me souviens pas de la Royal Moot. Elle est exo, ouais. Ouais. Je me souviens pas de la Royal Moot, mais je sais que la Royal Moot, de base, est largement meilleure que la chef Borg. Enfin... C'est ça que je suis étonné. Après, faudrait peut-être que je trouve un truc pour me rajouter un PA quelque part et changer soit mon Gélano, soit ma Arès, parce que j'ai toujours ma Arès, quoi. Oui, ça, bah je peux pas te faire une dame. L'imbe, hein. Non, mais il veut pas parce que c'est trop cher. Mais j'ai pas assez, ouais, clairement, j'ai 200 000. Oui. Ouais. Qui sait ce que j'arrive à 2,5 millions, mec. J'ai de la marge, hein. Mais là, elle arrive à se faire du pognon, elle fait comment, elle? Bah, avec ses poissons, ça se vend. Elle farme, cher, en fait. Ça se vend vite. Ouais, elle farme beaucoup. Moi, mes métiers, mec, je peux pas farmer le métier de forgeron, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais tu pourrais faire un bûcheron. Bah, j'essaye, mais bon. Ouais, essayer, faut bois, c'est hyper c'est hyper consommé, et du coup, il y en a très peu. Regarde, moi j'ai bien réussi à monter mineur là. Putain, les enculés. On attend sur le map du coup. T'as dit quoi? Il y a deux crues qui ont repop pendant qu'on était pas là. Ah. Et le mec il l'a pris, je sais pas pourquoi, il est 194, c'est pas sa zone. Un sombre fils de pute. Ou alors il a lancé la quête l'année dernière. C'est possible. Ou alors il est full débile, j'en sais rien. Attends, je me mets en mode marchand un petit peu, il faut que je... Attends. Alors je sors les cartes d'Orim. Oui, parce que je vends ma blague aussi, tu sais. En fait, je veux pas arrêter, en fait, je veux pas couper la quête. Donc je suis pas full stuff. Bah c'est toujours utile de les vendre. Donc, du coup, dès que je drop des rags ma blague, je les mets en vente. En mode marchand. J'en vends 1191 du coup. Et 599. Ouais, limite, t'en gardes un de chaque dans ton coffre et puis. Non, même pas. Le reste même pas, je les vends toutes. Je les rachèterai plus tard. Ouais. J'ai plus besoin de Kamad maintenant que plus tard en fait. Ouais. Ça sert à rien de conserver des choses qui te vont que. Alors que j'ai besoin de Kamad tout de suite maintenant. Salut Pokédélé. Ça va Pokédélé? Monsieur le RPiste. Le recorder RPiste. Si tu veux, en fait, plus tard, j'en aurai des Kamas, j'en aurai plein, et je pourrais en faire plein, et je pourrais racheter plein de choses, là que je peux pas. Vas-y, cours le logo la sèche solo. Putain. Elle va souffrir. Elle est pas prête, je pense. Ah oui, elle a pas mal spé. Mec, j'ai même pas cherché à faire puissance. Par contre, si tu pouvais passer ton tour, ça... Alors... Jouer vite. C'est vaut mieux que tu joues vite et que la finisse plutôt que tu joues lentement et que le combat prenne 3 heures. Hein, entre nous. Non, mais cherchais mon sort, je savais pas quoi lancer. Ah. Triste. Putain, mais je clique à côté aussi, moi. Je suis un FDP. Bon, allez, on attend que le groupe repop. Hein. Croisez les doigts pour une crue. Salut, Ichigo 934. Et les cœurs novices, par contre, je sais pas ce que ce genre de trophée, votre réputation du bureau des cœurs est assurée. Mais je sais pas ce que c'est du tout en fait. Ça se rampe que sur les crues aussi. Mais aucune idée de à quoi ça sert. Et la quête, une fois que t'es rentré dans le cratère, pour récupérer des cœurs et je sais plus quoi. Ouais, mais je la vois pas là, cette quête en fait. Ça va et toi, Ichigo? Non mais c'est le cratère des donjons, je crois. Ouais mais mais j'ai la quête. Mais je vois pas
toujours pas. Je vois pas où est-ce qu'ils me disent que je vais dropper des cœurs, tu vois. Ah oui. Ouais, je sais pas. Oh, ouais, non, ça me paraît même je pas. Je suppose j'ai froid maintenant, faut que je remette mon t-shirt. Putain, j'arrive pas à lire ton pseudo. Salut. Otoketa. Sacré pseudo. Attends, mais si j'ai une monture, je peux même mettre ma cam, incroyable. Waouh. Arme. What was that? Tellement long, Harry Pop, c'est. J'ai une couronne bleue. Ah, sa couronne bleue, c'est parce qu'il a le. Il a l'abonnement Twitch Prime. Regarde, moi aussi j'en ai une. Qu'est-ce que ça apporte le Twitch Prime là? En fait, ça t'apprend déjà, c'est un compte Amazon Prime. Des avantages Amazon Prime de livraison, de réservation, etc. T'as accès à une boutique Kindle agrandie. Tu as accès à des certaines films et séries un peu comme Netflix, mais il y en a beaucoup moins en France que pour Netflix, etc. Et tu as un abonnement à une chaîne Twitch offert tous les mois. Sachant que l'abonnement Amazon Prime à l'année coûte moins cher qu'un abonnement Twitch. En gros, t'as un abonnement Twitch offert, un truc qui coûte de base moins cher qu'un abonnement Twitch. Ouais. Et en plus, ça le reste. Donc, en gros, à partir du moment où tu veux t'abonner à une chaîne Twitch, ça vaut plus le coup d'acheter Amazon Prime et d'avoir tous les avantages Amazon plus l'abonnement à la chaîne Twitch parce que tu paieras moins cher que si tu prenais juste l'abonnement à la chaîne Twitch. Voilà. Et sachant que quand t'es mineur, ça te coûte moitié prix à l'année. Donc, en gros, tu payes, je sais plus comment ça, 25 euros. Même pas quand t'es mineur, quand t'as moins de je sais plus quel âge. Tu payes ça 25 euros et. Pour un an, alors qu'un abonnement à une chaîne Twitch c'est 60. Ouais, c'est en plus 500 euros. Hein. Allez, voilà. Donc, ultra rentable, ultra worse. Bon jeune gens, j'en démarre mon ordi et j'arrive. Ok. Ça marche. Non, je n'ai pas la portée. C'est infini, j'aurais dû du coup faire ça avant. Ah, le caméraman. Ah. Tu es caméraman maintenant Pokédé, des... incroyable. Dis donc tu en as des rôles. Tu es vraiment quelqu'un de très fort. Tu es multitâche, multitalent. Incroyablement beau et sexy. Ah non, merde, pardon, ça fallait pas le dire. J'espère qu'il attire pas par contre. Ah non, c'est pas celui-là qui attire, c'est le terre qui attire, je crois. Ouais. Sinon, j'aurais eu l'air bien bête, me vois-tu. Oh, c'est tellement chiant les sèches. Ah bah. Mec, tu peux foutre. Voilà. Tu fous une bombe. Et toi, tu te mets en kaboom pour traverser. Contre les PM. Bah, je viens de te kaboom en fait. Ou sinon, tu la tires dedans aussi. Oui. Du coup, il va se barrer si tu la tires, hein. C'est chiant. Ou alors, tu la tires et tu le repousses.
Ça, il se barre pas. Inquiète. Aspirateur, là. J'aime pas quand ils changent l'ordre des sorts sur le blabot, là. Une façon de faire, effectivement. Oui, je peux faire ça. Eh, mais j'ai fait zéro dégâts, c'est immonde. Oui. Ah! Et depuis quand on peut faire ça? Normalement, c'est toi. Hein. Alors, non, moi je suis pas caméraman, moi je suis le streamer. Toi, tu es un recordeur no commentary. Moi, je suis commentateur, tu vois. C'est ça la différence entre moi pour KDL. Toi, tu es un exécutant. Moi, je suis le talent. Non, j'ai... non, c'est vrai. Je crois que Jeff n'approuve pas. Moi, je crois pas, je suis sûr que Jeff n'approuve pas. Écoute, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ouais, les gens, ils organisent des événements RP, ils viennent me demander de participer et tout. Parce qu'ils ont besoin de moi. Et voilà. Et que ça a à dire. Et que ça a à dire, et aussi le fait que ça, j'ai envie de l'enculer à chaque fois qu'il y a un camion qui passe dans sa rue. Une moto. Une moto. D'accord, bon. Un camion à deux roues. Mais je rigole, Pokédélé, mais c'est tant mieux que ceux qui s'en occupent si très bien. Waouh, merci Otoketa pour le follow. Très gentil à toi. Et aussi, je sais pas si ça fiche bien sur le stream, mais faut que je regarderai. J'ai dû changer un truc, enfin j'avais des bugs et tout, machin, bidule. Ça. J'ai rechangé 2-3 paramètres. Allez, encore 8. Oh oui, Zeklanovi. Bah mec, reste sur cette map, je vais aller voir ailleurs. Ouais. Alors je te laisse vérifier qu'il y a un truc. Dès qu'il y a un combat, tu lances et j'arrive. Dans tous les cas, moi, même moi j'ai les coups en solo, donc même si on se retrouve à lancer deux combats en même temps, ben je... Faudrait quand même gérer. Pas juste que je retiens. Par contre, il y a moins de monde, j'ai l'impression, parce que là, j'ai vu personne. Tu veux que je publie la vidéo ce soir sans montage ou pas? Moi, j'en ai pas besoin. Tu fais pour eux en fonction. Moi, j'ai pas besoin de la vidéo. Moi. Plus pour. C'est plus pour en fonction de ce que la main de la Vallée Noire ou les maîtres du jeu ont besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Par contre, quand tu l'as fait, tu poques au moins la Vallée Noire. Bah, maintenant, t'as leur Discord, donc c'est bon. Et faut les poques au moins eux. Voir les MJ. Bon, y a pas un groupe avec une. En gros, y a que notre groupe qui doit respawn et y a pas un groupe avec une. Voilà. Elle spawn sous mes yeux, la grosse croquille. Bien ça, bon groupe. Bon groupe sa mère. Ouais, enfin la moyen. Bon par contre le challenge s'en fout. Allez, pose une bombe et recule. Pose une bombe, tape le croquinovis humide, deux fois, une fois. Mmh. J'ai réfléchi. Vas-y tape là, ok, ah non, tape là, je pose un chauffeur. Vas-y voilà. Bah là, pose une bombe. Non mais justement je vais envoyer la croquille. Tu peux la pousser moi mec après, je la pousserai après. Pose une bombe. Mais non mec, mais non. T'inquiète. Tu m'as saoulé, tu m'as grave saoulé. Ça va aller. Mec je t'explique, je suis un cra. Oui. Ok. On va voir ailleurs si j'y suis, tu m'as saoulé. Fais-moi péter ta bombe. Combien de portée cette merde? Ouais non normalement c'est bon, on est tranquille. Bon, au pire moi je suis tranquille, toi je sais pas mais moi je suis. Voilà. Bon, on va dire qu'on est tranquille hein. Donc, après j'ai un. Normalement c'est bon. Tours, ouais. Je suis bon, vas-y passe.
Moi, je vais encore m'éloigner, mais... peut-être encore les bots, non? Oui. Allez, passe maintenant, par contre. Ah, comme ça, moi. Hop. Toujours plus. Incroyable. Bon, on peut attendre que ça respawn. Bon, je vais juste voir à côté s'il n'y a pas un petit groupe qu'on pourrait faire en attendant que ça respawn. Si je viens à gauche, il y a un groupe de deux facile. Des 80, mais... Bon, tant pis pour le chat, hein, flemme. Vraiment grosse, grosse flemme. Merci pour le follow, Skilux. Pas saoulé par contre, toi. Oh, regarde ça, t'as vu ça, il s'est mis en ligne de vue. Tellement gentil, cette coquille. Ah non, c'est blanche. Allez, vas-y, finis tout. Pardon, pardon. Sorry, sorry my brother. I'm so sorry. I'm on the phone. Attends, on va choisir. Toi, tu t'attends à droite, j'attends à gauche. Ah bah, il y a une mauvaise boise, go. Attends, celle-là. Si on fait ça, genre on attend chacun sur une map. Vas-y, joue vite. Tu vois, ça c'est un tour rapide. Blé. Même pas le temps de réagir. Blé. Voilà. Ça c'est celle que je veux voir. Allez, je vais à gauche. Oh. Bon, sinon vous faites quoi sur le chat? Parlez-moi de vous en attendant. Hein. Il faut attendre que les groupes spawnent, c'est chiant. Eh mais y'a du monde. Ouais, y'a du monde là, y'a pas mal de gens, ouais. D'ailleurs sur le chat, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui jouent à Cross Maga? Autre que Pokédélé. Pokédélé, je connais déjà la réponse. Je huis. Oui, je lag. Je jette. Ou ne pas jette. Parce que s'il y a des gens parmi vous qui jouez à Cross Maga, moi je peux vous faire gagner le socle Steamer, je sais pas quoi là. Avec un paquet bronze, doré, je sais plus. Un truc dans le genre. Genre j'ai encore. Je dois encore avoir 35 codes à peu près. Que j'offre gentiment à mes viewers. J'ai une novice incandescente là, mec, je la fais. C'est une 90, je vais bien m'aider à la faire. À gauche. Voilà, c'est vite. Ouais. Merci pour le follow, love de 20 400. C'est quoi le 20 comme de région, ça? Le 20, on doit être. Ça peut connaît être... pas. La Corse. Non, c'est pas la Corse. Pas du tout. Je sais pas. Mais c'est un département, déjà pas une région. Si, si, ça l'affichait. Enfin, moi je l'ai vu que ça, quand tu m'as follow au Toketa tout à l'heure. J'ai eu l'alerte et tout. Donc ça l'affichait, c'est juste que t'as pas dû faire attention. Y'a un groupe à droite? Non. Regarde, je peux même... Regarde Toketa, regarde. Je vais même te le remettre. Ça, c'est trop bien par contre, le bouton pour faire réapparaître les alertes. Jureux. Ok, ben je vais tomber sur les deux maps en attendant.
Le 20, c'est vraiment la Corse? Je pensais que c'était un numéro à plusieurs chiffres, enfin à 3 chiffres la Corse, comme les Domtam. Peut-être full débile. Merci Power Laser pour le follow. Ok, ben je te crois Jeff. Et si tu me dis de la merde, ben j'irai vérifier tout à l'heure. Ok, bah dans ce cas, si c'est pas 3 chiffres, effectivement c'est logique. Parce que dans le 6, on est encore dans les A. Et donc du coup, on peut supposer que dans le 20, effectivement, on est dans les C. Non, je suis pas sur YouTube, Pokédélé, je suis only Twitch. J'ai arrêté de faire les lives en même temps sur YouTube depuis qu'il y a les subs sur les affiliates. En gros, depuis que Twitch me permet de faire des lives de manière un minimum avec une reconnaissance professionnelle, en fait. En gros, j'étais sur YouTube parce que sur YouTube, j'étais en partenariat alors que sur Twitch, je l'étais pas. Et du coup, ça me saoulait de faire que sur Twitch alors que sur Twitch, j'avais aucun avantage. J'avais pas, Jeff. Jeff, notre référence en matière de géographie française. Donc ouais, Pokédélé, en fait, maintenant, comme j'ai les subs sur Twitch, pour moi, c'est intéressant. En fait, en gros, maintenant que j'ai un partenariat plus ou moins officiel avec Twitch, c'est plus intéressant d'être sur Twitch. Et du coup, même au niveau des stats, c'est plus utilisable. Genre un sub Twitch, si j'ai un stream de sub Twitch, je peux dire, bah, je peux aller, je sais pas moi, voir un investisseur, dire, bah regardez, j'ai autant de sub Twitch. Donc du coup, je peux influencer autant de personnes, machin bidule. Alors, ce que je pouvais pas faire avant. Heureux. Heureux. Bon, du coup, on se rejoint pour XP. Bah là, on XP pas, nous on fait toujours les croquis, mais vous pouvez nous rejoindre, oui. Toum, 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 toum. Tu réponds, c'est 2B et 2A la Corse, je crois, oui. Mais 2B et 2A, c'est la basse Corse et la haute Corse, et la Corse dans son entier, c'est 20. Et parce qu'il y a Jeff qui me parle sur ça en même temps. Heureux. Ouais, mais toi, du coup, Léa, c'est les éclats de croquis matures, je suppose. Alors que moi, c'est les éclats de croquis novices. Bon, du coup, tu veux pas une sœur en plus, toi? Une quoi? Une sœur. Pourquoi t'en as une à acheter? Elle me casse les couilles à chaque fois qu'elle me crie à l'aide, c'est parce que l'ordinateur demande de faire une mise à jour, du coup, elle sait pas s'il faut faire une mise à jour. Oh, mais c'est rigolo ça, moi j'aime bien. Bah, reste à droite, Seb, je reste à gauche. Bah, à gauche, il y en a deux. Vas-y, go. Enfin, c'est pas des crues, hein, mais tant pis. J'en ai marre d'attendre. Mais oui, effectivement, c'est Jeff sur TS qui m'a confirmé que la Corse c'était le 20 dans son entier, mais qu'il y avait 2A et 2B pour Corse, haute Corse et basse Corse. Et voilà. À plus tard, Otoketa. Allez, on les bruine. On va essayer pas de se faire piquer les combats. Oui, Léon vient de se croiser. Bah, je partais pour les rejoindre pour les croquis, là, je sais pas où c'est. Tu peux pas plutôt aider Léa à faire sa quête? C'est ça? Moi, je suis tout à gauche, moi. Ouais, mais à deux, en fait, on va être hyper long, donc autant se rejoindre la vôtre et... Oui, sauf que fait que vous soyez là, ça va pas me faire aller plus vite, en fait. Non, on attend... Enfin, en fait, on doit juste attendre que les compris pop, donc c'est juste du temps à perdre, en fait. C'est pour ça que ça vaut plus le coup pour vous de commencer sans nous. Parce que le problème de ça, c'est qu'en fait, il faut juste réussir à choper les groupes. C'est pas que les groupes sont durs, c'est qu'il faut réussir à les choper. C'est super long pour rien. Attends. Cocktail gratuit. Ah oui, c'est les quêtes de. Oui. Oui. I see that. Ok, bah moi je vais XP solo alors. De toute façon, ici, t'auras pas assez d'XP parce que les groupes, en fait, ils apportent pas assez.
Les petits, en fait, les novices. Les petits, les moyens. On va finir la quête du totem, être, rentrer dans le cratère du donjon. Non, mais je m'en fiche en fait des quêtes, je la fais pas moi, bah les couilles, je suis là pour XP. Mais tu sais que les quêtes rapportent plus XP que les combats ? Non, Osef. D'accord. De toute façon, j'ai pas les sérums, donc Osef. Et t'as pas besoin des sérums ? Moi je les ai pas non plus les sérums. Je vais déjà faire les quêtes que j'ai, puis ensuite on verra. As you want. Putain, mais des croquis matures partout aussi. Enfin, des croquis humides. Non, ça, je peux pas les faire, les humides. Épilepsie! On change de map toutes les 10 secondes. Incroyable. Ouais, je reste à gauche, j'en ai marre. J'ai changé de map. Dis qu'on t'a un groupe Seb, hein. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, j'ai vu et j'ai pas. Moi j'ai déjà répondu. J'irai voir après. J'ai déjà répondu. Moi pas encore. Bah, je sais pas pourquoi c'est écrit parce que je l'ai pas vu. T'as répondu au sondage ? On voit ta photo. Ah oui, non, mais j'ai répondu au sondage, mais c'est parce que j'ai une notification pour le sondage, mais j'ai pas vu l'event en soi. Ou bien le sondage il est dans l'event ? Oui. Ah bah ouais, dans ce que j'ai vu. Merci pour follow. Et Drulut. Putain, j'adore ton pseudo. Drulut. Par contre, c'est chiant à prononcer, mec. Ah, il y a une boueuse là. Go. On la torche vite, Zef. Merci, c'est oui, ça. Bah je réponds au sondage, 2 secondes. Ah et bah, mais le combat pourrait déjà être fini là, si t'avais pas traîné, hein. Qui est Satsuki ? Aucune idée. On a perdu 5 joueurs d'un coup ! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé, les bros ? Qu'est-ce qui vous arrive ? J'y suis pour rien. On était à 15, on est redescendu à 10, on est monté à 12, on est passé à 7, j'ai pas compris. Ah, j'ai une crue à gauche, Seb. Enfin, je peux la faire solo en vrai. Continue à survivre le groupe au pire. Enfin, oh non, c'est monté là. Vas-y, viens. Je vais me mettre là comme ça. Si jamais c'est un truc immobile, c'est bon. Je suis là, hein, mais je vais RP. Oui, non, mais que tu. Oui, je sais que t'es la Pokédélé, t'inquiète. Vas-y, fais du RP. Montre-nous tes talents de RPiste. Je voulais unfollow Siamou pour le troll. Je me suis rendu compte que je l'avais pas follow, refollow depuis la dernière fois que j'avais bloqué. Ah bah trop bien, on va pouvoir taper full R. Allez, mets une bombe et on passe. C'est bon, je massacre mon bouton passé. Vas-y, appuie sur F1, Seb. Putain, combat le plus rapide du monde. Nice. Et toujours pas de combat à gauche. À droite, pardon. Je reste à droite, je reste à gauche. On recommence. On va y arriver. Ah bah en plus, trop bien, t'as validé le succès du coup. Mais oui. Nice. Bien joué, Seb. GG. T'es vraiment trop fort, quoi. T'as vraiment été meilleur, je pense. Faut que j'aille voir les juvéniles aussi. Même si on s'est fait après.
Ou alors, ouais. Ou quoi qu'on peut même faire une pause là si t'en as marre et on enchaîne plus tard. On peut aller genre faire le succès juvénile et XP. Non, mais t'en manques combien là? Il manque 6. Oh, chiant. Oui. Parce que là, c'est long d'attendre les spawns et tout. Moi, voilà. Autant aller voir les autres grottes et puis faire succès mob quoi. Ouais, je fais un tour de la map, enfin, reste sur les deux, là, deux maps qu'on avait là. Ouais. Enfin, en haut, il y a plein de combats donc il y a moyen qu'il y en ait derrière. Un autre qui a fermé des maps. Un tour de la map en général, si je vois une crue go sinon. Les unes sur les autres, du coup, je voyais, il y avait trois groupes, mais j'en voyais deux. En fait, cette quête-là, j'ai vraiment envie de la faire parce qu'en fait, quand je la valide, je valide un succès. Après, il y a les succès, l'entremaille, machin, bidule. Mmh. Mais là, il y a un succès. Ah, il y en a une ici, à droite. Là, ah, vas-y. Ah, j'ai raté le bouton prêt. Bourrine le mec, on finit dans un tour, je pense. Bourrine, y'a moins. Oui, oui, oui. Pfff. Les mecs, c'est bon. Hein. Pour la peine. Pas de pousser, m'en fous. Quand même. On tag moi. Allez, le full F1. L'expérience des jeux des fous, ça. La Formule 1. Ah, super rigolo ça, hein? On rigole? F1, Formule 1, lol. Et ouais. La tristesse d'une vie. A gauche, y'a pas de crue, j'ai la flemme de faire le combat. A gauche, y'a pas de crue. Je regarde en haut, et si y'en a pas, on bouge et je finirai les 5 plus tard. Dans 5, ça ira vite, tu vois. Mm. J'ai eu trop de la chatte, le premier combat que j'ai fait, j'avais 3 crues. Alors du coup je les ai galérés parce que j'avais passé d'invoque. Mais c'était grave, c'était grave bien. Enfin. Bon, allez on sort. Oh, tu veux pas attendre le respawn ici? Non c'est bon, on est marre d'attendre. On va aller faire ton succès sur les... Non sur les... Juvéniles. Je pense que j'ai le succès, attends. Regardez les succès. Événements. Gagna, ils sont là les succès. Et à part. Ouais, il manque bah, la juvénile crue. Et après, mature et vénérable. Go prendre une juvénile crue. On va aller piquer du farm au farmer de bas niveau. Pas drôle. Ah, bah j'ai encore perdu 4 viewers. I don't understand that, but ok. Il est grave, casse-couille. Tu mérites pas de stream cette blague. Si, j'ai envie. Non, ouais. Paul, veux-tu venir faire le succès et novice et nul? Le truc pour le drag-off aussi. Drag-off. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ah, avoir le drag-off attends. Je juste vérifier un truc, Léa. Je crois que tu vas être très déçu. Sur quel point le drag-off? Ah, il y a des crues ici chez les juvéniles. J'arrive. Je sais pas sur quel succès, mais je crois que pour le dragouf, faut entre autres avoir fini la quête des chasses. Si t'arrives à le finir cette année, je te dis. Bon, il m'a fallu 2 ans la dernière fois. Entrer dans le cratère pillard. Mais je te vois pas saboter. Deuxième map. Maybe for that I don't. On peut attendre Paul, si t'as le temps de venir dans le cratère des juvéniles. Mais je sais même pas où c'est en fait. C'est le premier cratère. Je pense ça, genre je connais la map alors pas du tout quoi. Du milieu. C'est le premier cratère en bas.
pas comment il se... Pas ouf. Alliance, ça va faire bugger un peu. Mais par contre, on va prendre des dégâts, c'est bon, en tout cas, faut le refaire. Parce qu'on prend des dégâts de renvoi de 2. Ouais. Et même, ça va faire des dégâts quand ils vont dessus l'invoque. Ouais, mais justement, je sais pas si l'ingobox ça compte ou pas. Ici. Ah, joui. Ouais. C'est le meilleur jeu. Et hyper jeu. Être un héros. Question d'attitude. Alors, faire être un héros, question d'attitude. Oh. Regarde. Pour être un héros questionnaire. Ah, il faut finir Grosilla et Grasmera. Ah, mais ça c'est pas si dur en fait. Faut juste que ce soit ouvert. Après, c'est le level 100 à 150. Faut, en fait, à la limite, faut que t'attendes que moi aussi je sois level 100. Comme ça, on le fera avec Paul. Et ça va être facile en vrai celui-là. Bah, en vrai, je pense que je peux les faire quand même en fait, les autres. Parce qu'il y a des succès qui font. Enfin, qui sont par étapes en fait pour les Grosilla et Grasmera. Oui, mais en gros en fait le problème de Grosilla Grasmera c'est donc en gros c'est que les 5 premières salles, enfin les 4 premières salles là, tu les fais en tranche de level. Après les dernières salles tu peux les faire en groupe. Ah et oui. Enfin je crois, de mémoire. Pas pour les 4 premières. Là qui est casse-couille. Essayez de tuer la celle tout au bout, comme ça pas d'en mettre une bombe. C'est vrai qu'ils ont pas de PV en fait, on aurait pu tout péter. C'est bien, tu peux reculer ça. Ouais, il passe, c'est bon, il reste 2 tours là. Voilà. Boum. Et boum. Mais il veut pas boum hein. Voilà, m'a saoulé. Alors du coup, maintenant on cherche un autre groupe avec des crues. Faut trouver un groupe avec des crues, Paul, parce qu'en gros c'est le plus chiant à avoir. Une fois qu'on aura celle-là, avoir le succès sera facile. J'ai voilà, à droite, il y a une crue. De même 3 crues. Je suis pas dans le groupe, vous savez. Oui, je vais t'inviter. Il fallait le dire, pas nous demander si on savait. Ah, you know what I mean? Ah, il y en a 3 là-haut là-bas. Aussi. Bah, viens à droite. Ça sera peut-être plus simple, non? Voilà, il y a son 4. Il y a 3 crues et une indécente. Bon bah. Enfin, incandescente. J'ai lancé. Voilà, parce que je vous aime pas. Je pense pas à vous. En fait, Paul, il n'a pas besoin de la taper, la crue. Elle va exploser toute seule. Eh, mais je sais pas, moi, vous me dites rien. Je sais pas. Bah, du coup, on te le dit. Je veux dire, du coup. En gros, il gagne des. Des PA tous les tours. PA tous les tours. Après, enfin. Un certain nombre de PA, il explose sur une invoque ou sur un truc qui traîne. Après, toi, là, pour le coup, tu peux la tuer parce qu'elle a que 930 HP. Donc, du coup, tu la finis en un tour, enfin, ou deux. Et donc, du coup, vaut mieux que tu la tues, effectivement, pour la juvénile. Parce que, mais genre, la. En fait, parce que, genre, la. Mets un coup de cac aussi. La novice. Elle a, elle a je sais plus combien d'HP, genre 3000 HP. Enfin 5000 HP. C'est déjà chiant. Et plus tu montes, plus c'est dur quoi. Il m'a saoulé lui par contre. Avec ses 7 HP là. Non, j'ai pas une coup de cac. Le mec me déprime. Du coup c'est cool, on peut aller au-dessus. Il y en a un autre juste à côté. Ouais, au-dessus, tu as dit au-dessus, allez go au-dessus. Ouais. J'ai confiance à Seb. On va suivre Seb le GPS. Alors... Ça va aller vite. Ouais, comme le GPS. Oui. Alors attends, qui est le plus bas niveau? 25, 25, 25, 20, c'est bon. Faut tuer l'incandescente et après c'est bon. Mec, faut d'abord tuer incandescente, hein. Oui, oui, bah je les one-shot pas, hein, ça va. Du
compte sur Paul pour buter les 130 PV qui est à côté de lui. Vas-y Paul, tu peux le faire. Vas-y. Vas-y Paul. Waouh. Waouh. Du coup, je vais tuer maintenant en fait. Là où tu tapes que t'as plaisir, si tu plaisantes, vas-y bourrine. Genre si tu peux mettre un glacier en plein milieu, c'est bon aussi. Ouais, enfin son glacier est grand mais pas ce point là quoi. Ouais non, j'attendrai pas l'autre là, ça sert à rien. Donc tu ne peux point la tirer vu qu'elle a l'étape pesanture. Ouais en plus. Ah. Je crois que le jeu te troll en fait. Je pense qu'il t'envoie un message. Je pense qu'il est en train de te dire qu'il se fout de ta gueule allègrement. Quoi? Le jeu. Avec les 1 HP là. Ah mais je l'ai pas fini, je pensais avoir fini. Sacrément nul hein. Oui bah voilà hein. Enfin, le niveau du joueur quoi. Le mec là il est roublard, il fait genre je suis level 150 et tout alors qu'en vrai même pas. Incroyable. Bah après lui au moins il oublie pas de mettre des coups claques quoi. Ah attendez, j'entends une communication avec Zurich. Zurich me fait passer le message. Ah attendez, oui, oui, effectivement, nous nous en battons les couilles. Alors, boueuse et insipide. Boueuse et insipide. À gauche, et boueuse et insipide. Moi, il manque boueuse, insipide, humide et sèche. Et ben. Ah, oh bah c'est bon. Ah non, ouais, il manque si. Des sèches. Non, si. Non, il y a des sèches. Il y a tout. Ah là. Ouais, c'est des sèches. Si on fait le chal ici, vous allez trouver de le succès. Il y a un insipide ici aussi ? Oui. Ouais, c'est la noire. Ok. Ah oh bah nice. Je prends l'humide là. Seb, tu prends la sèche et l'insipide. Et Paul, tu prends la sèche et la boueuse. Ça vous va ? Parfait. Mm-hmm. On est tous d'accord. Putain, mal écrite aussi. L'absence de respect chez cette super mage est vraiment palpable. Non Seb, ok où tu tapes pas assez fort. Par contre ça marche pas sur le cac, c'est un peu dommage. Waouh, voilà. Tant de pouvoir chez ces hommes. Bien, passons aux suivantes maintenant. On peut aller faire le succès sur les... En limite, on retourne dans l'autre truc et on va faire le succès sur les autres. Voilà. Ouais. Avec un peu de chance, on va retomber sur une crue. Mais du coup Léa, tu veux pas faire les succès mob aussi? Oui c'est vrai, on l'a pas proposé à Léa. Mais t'es dans ces quêtes en fait, j'ai oublié, là où je suis trop con ou trop méchant, je sais pas où les deux. Et pour le coup des crues, il y en a dans tous les sens là, sur les juvéniles. Peux-tu faire le succès sur les croquis juvéniles, Léa? Je vais éviter ça, la question se fait, baby, ça baby va, quoi. Hello, ça va, je peux te parler en privé STP. Alors rien ne t'empêche de m'envoyer un MP, pas besoin de me demander pour ça. Après, en fonction de ce que t'as à me dire, je te répondrai ou pas, mais si t'as envie de m'envoyer un MP, tu m'envoies un MP, tu me demandes la permission. C'est moins 42 là, c'est le cratère tout en haut. Le plus bas. Chercher un groupe avec une. Déjà. En haut à droite, il y en a une, je crois. Il y en a là, dès qu'on arrive, il y a deux crues, deux insectes, une incandescente, une mille flèches. On va y aller la moitié du succès d'un coup. Aise. Par contre, effectivement, je vais me mettre en chasseur parce que. En fait. Juste oublier ce détail.
Du coup, dans le cratère, on vous entend bah, la map au-dessus. Ah. Cherche-moi notre groupe. Mais t'as cru, lol. Et du coup. Hop, Nator. Tu peux venir jouer, venir dans ma guilde, jouer et tout. Et c'est pas dit qu'on fera l'aventure avec toi après. Entre potes. Même si tu peux rejoindre la guilde, c'est où ça? Il y a pas mal de c'est enfin de crues mais pas forcément avec masse trucs différents dedans. M'en fous, on sait. Ouais. Voilà, il y a trois crues. Voilà, une crue, une humide. C'est bien ça. En haut à droite. Là, Oh, la toute l'aventure est fou. crue sèche, insipide, incandescente. Bingo! Il faut attendre Léa là. Mais elle était déjà dans la cratère en fait, elle est pas loin. Moi je connais, il va se faire plaisir dans le tas là. Le petit tas à gauche. Ok. Tofus tag. Ah. Faut qu'on garde après là, si tu veux, après j'ai un peu de temps, je te ferai un clip à distance. If you want. Il faut essayer dans l'ordre, c'est chiant ça. Bon, ça va. Il y a juste à bourriner. Tap! En plus, LOL fait du dégât maintenant. D'accord. Alors, sans rage que dalle d'un coup comme ça. Oui, sans rage, sans focus, sans rien. Alors, j'arrive, blé, blé, trois baffes. Bravo. Allez, tout à l'heure, c'est pas moi qui ai oublié de mettre un coup au cac, hein, donc il va la fermer, il va rester mignon, hein, d'accord? Cette violence. Pas ta rage. Moi, je fais le unchall tous les 4000 combats, je me fais flame, lui, il fait le unchall tous les 3 combats et on dit rien. Pas bien, oui. Qu'est-ce que c'est le canal privé? Je sais pas. Non, je peux pas manger, je mangerai ce soir. Chez ces joueurs de type français. Lego. Ça marche, Pokédélé. A plus. Pas bien. Hello. Oh, mais ils font Oh, chier c'est avec chiant leur ça. truc à la con. Je crois que ça peut marcher si t'arrives Seb à les tuer sans prendre de dégâts. En compte quoi tu es la dernière? Non.
quelqu'un qui a des res fixes. Attends. Paul, il a 4 de res. T'as combien de res fixes toi, Seb? T'as 28. 17. Ah non, du fixe. D'ailleurs, faut pas que tu tapes. Faut pas taper. Et Paul, il peut pas taper non plus. Bref, faut espérer qu'on se prenne pas de dégâts. On se prend pas de dégâts de la boueuse. Enfin, le tchal. Paul, au recul. Avec ton bouclier, je pense que tu prends des dégâts, il faut des res fixes. Vous allez voir, passez vos tours, faire la magie. Juste passez vos tours. De la grosse magie. La magie noire. Ouais, mais ça va être long. Passe ton tour. S'il te plaît, merci beaucoup. Non, mais c'est chiant là, on va prendre 20 ans. Passe ton tour. Non, c'est chiant, on prend 20 ans là. Non, c'est des groupes de merde, j'ai pas 20 ans à passer sur ça. Oh là 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 là. Tant pis. On va pas laisser faire de la magie noire. On a pas le temps. Liste. Ah là, il y a plein de trucs. On gagne rien d'XP là, on travaille à perdre, c'est nul. Ouais bah dans ce cas là, jouer sans moi. Moi j'ai le temps pour plein de choses, donc je vais jouer tout seul. A plus. Hop. Du coup, bah je vais continuer mes quêtes sur les crues un petit peu. Et puis de toute façon après j'ai pas tardé à couper le live. Je ne vais point tarder, parce qu'après il faut que j'aille manger, tout ça. Alors il y a Adam qui va faire un live sur la chaîne. Alors, il nous faut encore 5 crues. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a-t-il? Il n'y en a pas. Ici. Il y en a pas. Ici, il y en a pas. Il y en a nulle part. J'ai trop tristesse. Bon, puis on va faire ce groupe là. En attendant, en espérant que ça spawn, je peux me remettre en stuff dégâts. Plus limite, j'aurai des PA. J'ai un petit lag aussi sur le jeu là, et genre petit décalage de truc que j'avais pas tout à l'heure. Je sais pas si c'est dû à moi ou si c'est dû au serveur. Je sais pas du tout. Les deux sont possibles, on va dire. Voilà, ça c'est fait. Ah merde, j'ai pas fait le tchal, putain, je suis un débile. J'ai pas pu faire le tchal. J'avais rien à perdre à faire le tchal et j'étais trop con pour le faire. Ça m'énerve en fait. Rater un chal n'est pas dérangeant. Rater un chal parce qu'on est con. C'est con. Alors je vais juste spammer les deux maps hein, jusqu'à ce que ça spawn. Espérant que j'ai un spawn favorable. Ah. Déjà un combat. Deux crues. Oh la chance. Oh, ils sont tellement chatés. Après, ce que je peux espérer, que comme ils sont un peu full. Pour peu qu'ils soient full singe.
Ils sont peut-être capables de se suicider dessus. Oui, c'est ça, c'est qu'ils essaient de les tuer à la main, visiblement. Ah non. Enfin, j'ai mal à jouer vite, en tout cas. Une perte de temps assez incroyable sur ce combat. Trop chiant cette quête. Vivement, il me reste que 5 là, mais punaise. J'ai pas le courage de le faire plus d'une fois celle-là, je pense. Hein. Faut pas ce level là en tout cas. En fait, il y a vraiment peu de personnes qui arrivent sur Vulcania avant le level 50, donc c'est pour ça que les juvéniles, il y en avait plein. Vraiment peu de. Alors que là, du niveau 50 à 100, il y a encore pas mal de gens qui ont pas forcément rush les levels. Et qui se disent, voilà, je le fais comme ça avant le niveau 100, comme ça c'est plus facile que de faire les matures qui sont un peu plus chiantes. On va plus vite, on gagne du temps. Tati patata. Et boum, ça fait des chocs à pic. Allez, viens là. Et bien. Et ils ont fini leur combat contre deux crues, j'ai eu le temps de faire deux combats quoi. Incroyable. Par contre du coup ici a priori le spawn devrait être assez tardif à droite. Je pense que je peux attendre à gauche. Ils viennent tout juste de finir le combat là à droite, donc et moi aussi. Ah quoi que. Non, je pense pas. Hein. Je pense que j'ai plus de chance à attendre le spawn ici. Punaise, c'est long, mais qu'est-ce que c'est long? J'aimerais bien la finir vite cette quête. Faut passer à autre chose. Faut avancer un petit peu. Aller XP. Faire des kamas aussi. Il me faut pas mal de kamas en ce moment. Parce que du coup, là c'est cher. Enfin, justement, il y a genre la baguette des limbes pour 3 millions. Trophée qui coûte une. Déjà, j'ai de la chance, c'est que je vais prendre une amulette croquilleur. Et en fait, l'amulette croquilleur, c'est que des ressources de Vulcania. Moi, elle va être pas chère. Elle va baisser énormément là. Pour l'avoir à un bon prix, normalement. Allez, il y a l'humide de la boueuse à gauche. Allez, fine boue. Je vais avec le chevalier. Merde, je suis dé. Ah oui, mais c'est quoi cette compo d'idole? Oh mais non, ça m'a saoulé ça, j'ai pas la bonne compo d'idole. Bon les gars, je pense que ça indique la fin du live là clairement. Je vais arrêter sous peu. Et là, ça m'a saoulé là de rater ça. Mais c'est sympa, enfin, ça me fait de l'aventure de zéro. On prendra à la suite bien. On continuera avec. On va avancer là. Le prochain objectif, c'est level 100. Pano. Avoir pas mal farm. Quitter un peu de la désavantage d'être un cra. Et après, nous verrons bien.
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.